Bon, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'été. Vous savez, cette saison où la température extérieure est similaire à celle d'un barbecue. Sauf qu'à la place des chipots aux herbes de Provence, mon petit gars, bah c'est ta grand-mère qui, clairement, à cause de la canicule, a des chances de pas passer l'été et hashtag de l'eau pour mémé. En plus, avec cette chaleur, bah les voitures se transforment en outils de cuisson multifonction. C'est-à-dire que si tu poses un œuf dessus, t'auras ton omelette d'ici 2 secondes et demie. Et si tu laisses ton enfant à l'intérieur pour aller faire genre une pipe à ton amant, bah il va vite se transformer en saumon fumé façon Etchebest. Bon, après, si t'as une voiture, ça veut dire que tu peux toujours mettre la clim. Ou à la limite, ouvrir les fenêtres si t'as une Clio 2 d'occasion éclatée du cul. Mais quand t'es comme nous et que tu dois te déplacer à pied parce que t'as vendu ta voiture pour pouvoir te lancer sur YouTube, True Story MDR. Bah, chaque pas dans cette fournaise qu'est la Terre en été sera l'équivalent d'un road trip en enfer pour aller faire un Uno avec Lucifer. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait chaud en été. C'est ce qu'on essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Alors, oui, on utilise des métaphores compliquées slash inutiles pour dire des trucs simples slash basiques. Mais c'est ça qu'on fait sur cette chaîne. On complique des choses évidentes, voyons. Vous le savez depuis le temps, non? Alors, désolé de vous couper, les gars, mais moi pour la chaleur, j'ai un Roman Miracle. Ça s'appelle Fredus Boob et avec ça, je me sens frais comme un gardon, quoi. Refait pour toute la journée. Moi, quand j'ai chaud, je bois du coca et après, je vomis parce que j'aime pas le coca en fait. Alors, déjà, Charlie, pour la chaleur, tu peux commencer par enlever ton col roulé d'enculé, peut-être. Et Timothée, bah arrête de boire du coca, espèce de grosse merde. Non, mais sérieux, les gars, faut apprendre à vous adapter au changement de saison. Attends, il y a toujours ce mec en hiver qui porte un t-shirt même s'il fait moins 12 et ce mec en été qui porte une doudoune pour bronzer sur la plage. D'ailleurs, la plage, on en parle? Bah non, pas vraiment envie d'en parler en fait, mais je vais le faire quand même parce que c'est écrit dans le texte. Parce que bon, le sable dans le cul, le sable dans la gueule et les bestioles dans le sable, ça va bien 2 minutes, hein, mais j'ai passé l'âge de faire des châteaux de sable, moi. En plus, avec le confinement, j'ai même pas pu bosser mon summer body. Alors si c'est pour me faire chier et même pas pouvoir flex un max, c'est mort, hein, je préfère me baigner dans ma baignoire, hein, plutôt que dans un mélange d'eau salée, de sperme et de pisse de poisson. Et j'ai pas non plus envie de me taper l'inflation des restos en bord de plage, c'est cher et c'est dégueu, on dirait une pute sur la 113. Bon, heureusement, l'été, c'est pas que de la chaleur et du sable dans l'arrêt, parce que sinon, j'hibernerai 3 mois dans l'année pour esquiver cette mascarade. Non, y a aussi des trucs bien en été, genre un petit demi-fraise en terrasse. Et si t'as moins de 18 ans, bah prends un Perrier, c'est pareil, y a des bulles, connard. L'important, c'est de savourer cet instant de répit bien mérité, avant que les abeilles viennent squatter le sirop dans le fond de ton verre, te transformant alors en la personne la moins sereine du cosmos. Mais en été, c'est aussi généralement le moment où tu pars en vacances, sauf si t'es un youtubeur gagnant moins de ce qu'il faut pour vivre et que t'as pas de taf à côté. Abonne-toi, mets la cloche, je t'en supplie, c'est une question de survie, j'ai faim. Après, t'as vu, je fais un effort là pour essayer de trouver des trucs positifs, mais j'en trouve pas beaucoup, alors on va vite reparler des trucs qui cassent les couilles, ça sera plus simple. Genre les moustiques par exemple, soit l'être vivant le plus détestable de la planète. On est tous d'accord pour dire qu'il existe uniquement pour nous casser les couilles, non? Moi, je pense qu'un jour, un mec est arrivé et s'est dit que l'humanité était bien trop heureuse, et du coup, il a décidé de créer les moustiques en même temps que le cancer et les pizzas ananas. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'ils sont même pas résistants, c'est hyper facile de tuer un moustique, une calotte, et on en parle plus. J'ai déjà réussi à tuer des moustiques sans faire exprès, mon gars, c'est n'importe quoi. Par contre, oui, tu peux tuer un moustique, ok, super, c'est cool, mais pas 15 millions, bordel, ils sont trop nombreux. Et la transpiration, bah ça aussi, c'est bien relou, sa mère qui mange des nems. Parce que dans les autres saisons, tu transpires quand tu fais un effort vraiment intense, comme essayer de semer les flics après avoir volé un McFlurry à Burger King. Mais en été, la définition d'effort change drastiquement. Genre lever le bras, par exemple, te transforme en cosplay vivant des chutes du Niagara. Et si tu veux courir un 100 mètres, ah bah là, tu vas juste t'évaporer, mon pote. À l'image d'une goutte d'eau dans un volcan de lave en fusion. Le retour des métaphores, toi-même, tu sais. Enfin, on aura beau rager, ça changera que dalle au cours des saisons, mon gars. C'est pas comme si la planète Terre regardait nos vidéos au calme posé sur son canapé et se disait ah ouais, c'est vrai que je vais supprimer l'été, cette saison de merde. Donc profitez de cette saison estivale pour faire des activités d'été, genre du pédalo, et arrêtez de squatter les bars en guise de remède à la canicule. Car la bière, oui, c'est bon, mais ça n'empêche pas les insolations. Sur ce, je vous invite à partager la vidéo avec tous les gens que vous rencontrerez, à les influencer fortement pour qu'ils nous donnent de l'argent sur Tipeee, et n'oubliez pas de mettre de la crème solaire sur vos petites joues pour ne pas finir tout rouge. Allez, ciao. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.